Eh bien, salut tout le monde, c'est Akiri, et bienvenue sur Assassin's Creed. Nous sommes de retour sur ce jeu-là. Alors, on va continuer notre aventure magnifico. À la dernière fois, on était rendu ici. On venait tout juste de rentrer de là-dedans. De ce petit trou, si vous voyez le petit trou, on venait d'arriver là. Alors, la dernière fois, ça avait laissé ici. Il y avait 4 points bleus dans la carte. Alors, c'est parti. Donc, on va falloir grimper pour aller les faire. Alors, let's do it. Ah, il voudrait bien que mon Enzo a trouvé une place pour grimper ici. Donc, on va aller de ce côté. Voilà. Donc, il y a 4 leviers à faire avant de les faire. Et après, ça pourra passer dans un passage. Ça, dans le film magnifico. Alors, voilà. Premier levier se retrouve de ce côté. Voilà. Oh, on va sauter. Oh oui, on a été tigidou. Ouais, c'est bien. J'allais faire un flash, mais en fait, voilà. Premier levier de fer. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est ça pour mettre de l'eau. Mais bon. En tout cas, deuxième levier se retrouve par là-bas. Juste de l'autre côté, ici. Ok, c'est tigidou. Non, voilà, un corbet pour qu'on fasse. Ah ouais. Ok. Ok, il faut mettre de l'eau des quatre côtés. C'est magnifique. Alors. Il y a encore deux autres leviers. J'ai une place ici pour y aller, c'est les. Voilà. Oh. Quand on est super ninja, voilà, on est déjà rendu du côté du troisième levier. Oh, ça va super vite, toi, hein, les potos. Ok, il va nous rester plus que dernier levier. Boum, après ça va être un boum. Ouais, voilà, après ça, quand même pour accéder de l'autre côté, et j'ai complètement foiré mon coup. On va recommencer à grimper par en haut, de cette façon, mais on va aller de ce côté, comme ça. Voilà, ah, j'avais même pas vu ce truc, voyons, non. Et là, voilà, en gros, c'est ici que je vais aller, mais... Ah, mon bonhomme, il a fait tellement son con qu'il s'est pitché en tout en bas, voyons, non, mais bon... Tout ce qui s'arrange, c'est qu'on est rendu de l'autre côté. Voilà, le dernier levier, c'est juste ici. Ça va être magnifique. Waouh, ok. Beau trou. Maintenant, on peut y accéder à la passe secrète. On va se pitcher tout en bas, de cette façon. Ah. Oh, j'ai... Attends, j'ai vu des loups. Hein? Il y a des gens disparus, ouais? Oh là là, il y a des loups qui m'espionnent, c'est pas bon pour la santé, ça, là. Je croyais qu'on avait fini avec les loups, mais on disait maintenant. Non. Attends, là, what? C'est pas par là-bas, faut aller, what? Oh, on dirait, faudrait qu'on essaie de trouver une place pour faire de l'escalade, alors c'est parti. Un petit chemin ici, je vois. Et j'ai complètement foiré mon coup, il n'y a rien par ici. Il y a un autre trou ici, donc on peut seulement... Oh, oui, je crois qu'ici, c'est le bon côté. Bon, voilà, on va commencer à grimper. Ah oui, je sens que ceci est le bon côté. Parce que regardez, on peut tout simplement grimper, tôt. Hop là. Oh ouais, je crois qu'on est super du bon chemin. Alors, let's do it, les boys. What the... Ah, ok, on va aller de l'autre côté. Voilà, tigidou. Alors, oh my... Tu là. Au moins, Enzo, il est super fort que moi, là. Ouais. Ça aurait été super dur, mais bon. Ouais, la belle lampe. Voilà, bon, on a réussi à traverser ça. Il faut aller, sur ceci. C'est parti pour faire un petit peu d'escalade de l'autre côté. Oh, attends, j'ai une petite barrière ici. Voilà, ben, pas le barrière, mais plus une barre. Comme ça, une lampe. Tigidou, hop là, hein? Ah ouais, là, on peut y accélérer au bas de la porte. Ah, mais en fait, c'est comme ça qu'on y accélère. Mais voyons donc, super pourri. Waouh. Ok, on a réussi à passer de l'autre côté de cette porte. C'est Tigidou. Waouh, hein. Ok. Oh là là, il y a du feu, faut pas piler là-dedans. Waouh. Ok, on dirait faut qu'on fasse du jeu parcours là. Dans une mine. Bon, on est... Ouais, je crois qu'on est plus dans une mine, hein. Bon, il faut que je trouve un moyen de passer le feu.
Mais quel moyen? Ah, sûrement par ici, il y a sûrement moyen de... Oh, oh, non, 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 mon petit Ezio, c'est pas par là-bas, je voulais y aller du tout, les papillons. C'est pas... Oh, voilà. Quand ça, maintenant, on peut grimper ici sur une statue Tigidouto. Ah, ah, voilà, Tigidou. Maintenant, on va... Oh, ok, ouais, on passe facilement à travers du bel au bord du feu, hein, c'est pas... Oh, 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 waouh, wow, super fort, ce gars, hein. Ouais. En tout cas... ok. Pourquoi il y a sur le bras de la statue? Voilà, bel bras de la statue des Popeito, hein. Faut aller où? Ok, faut juste aller ici, c'est Tigidou. Waouh. On traverse mettre au feu là, what? Ok, oui, c'est bon. On peut y aller en bas, voilà. Bon, on a traversé ici. Maintenant, il y a de l'eau à traverser, je crois. Ouais, je crois qu'il y a de l'eau à traverser. Donc, let's do it, on va grimper. Un cours de plus en plus haut, ben on n'est pas, mais pas plus en plus haut là, mais faut grimper pour traverser tout, hein. Et Tigidou, voilà. Oh, 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 oh my dieu là. Ouais, en tout cas, faut vraiment pas qu'on tombe dans l'eau, c'est tout, qu'est-ce que c'est. Oh, 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 je croyais que j'allais tomber. J'ai vraiment cru que j'allais tomber pendant un petit test, hein. Je crois que je serais Tigidou, hein. Si je fais ça. Ok, ouais, c'est Tigidou. Voilà. Maintenant, on peut y aller par ici. Voilà. Et par là. Okidou. Voilà, hein. Eh ben, ce mec est super passé, hein. Il y a un de ses potes, mais voyons donc. Oh, pauvre petit mec qui a pas pu réagir à ça, hein. What the... Ah, ok. Ok. Bon, c'est pas là-bas qu'on dit, ah, là. Non, en fait, je suis en train de virer le bord, donc. Ça serait pas par là-bas, ça serait par où, là. What the... Bon, par là-bas, c'est fermé. J'ai aucune idée où aller. Ah, c'est ici, je crois, hein. Ah oui, je crois que c'est ici, donc voilà. Ok, oui, je me rappelle de cet endroit, je crois que c'est par là-bas, hein. Les Popeito, voilà. Ok, ouais, ouais, je me rappelle, c'est vraiment par ici. Donc, let's do it, les boys. Comme ça. Ok, ouais. Je sais comment remonter. Bon, on peut remonter par là-bas. Ça nous a fait des escaliers, hein. Que c'est magnifique. Waouh. Donc, si je tombe, pas besoin de tout faire le détour. Il y a un beau chemin, c'est pas moi. Oh. D'accord, on est rendu ici. Où que le mec a tué de ses potes. Oh, pauvre petit. Il est mort. Ah, oh, c'est vraiment désolé pour ce mec-là. Mais j'ai pas pu l'aider. Donc voilà, il faut qu'on grimpe... sur le balcon. Ça risque de prendre 10 ans de monter sur le balcon, que c'est super haut. Ce que t'entends rien à rien. Laisse du lait, donc on va faire des détours à longueur de journée là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas le choix. Voilà. Oh, oh, oh non, on va pas trop faire n'importe quoi quand même là. Moi je veux pas tomber. C'est super risqué de tomber, hein. Oh. Quel gangster, on va aller par ici, comme ça. Oh, oh, oh. Bon, ok. Il y a un truc à tomber pour nous faire un escalier. Oh, c'est nice, voyons donc. Effectivement, t'entends pas si storm là, t'entends pas de tout leur faire le détour, hein. Au moins, il y a des ordres de trucs comme ça, c'est qu'est-ce qui m'allonge, les boys. Pas là-bas, hein. On est capable. Oh, ok, oui, on est capable. D'accord. Ok, comme ça. Oh. Oh. Parfait. Donc, je passerai par là. Ok. C'est Tigidou. Il y a un autre escalier juste fait pour nous. Alors, c'est good, good. Donc, on prend encore grimper.
Encore super haut. Si, super goutte qui goutte. Voilà. Ok. Voilà, on a regardé. What the hell, bro? Ok, je crois qu'on est arrivé à ta destination. Ah ouais, c'est là-bas, comme ça. Ok, c'est goutte qui goutte. On est rendu sur le balcon. Voilà. Coffre trésor. Ok, on a ça, donc parchemin de Romulo. D'accord, d'accord, donc on va prendre ça à réserve. Ah, 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 il y a la porte pour sortir dehors, donc on va sortir dehors. Voilà, donc on a sorti ce truc. T'es good, t'es good, hein. Ça n'a pas été super long dans ce bâtiment. Ouais. C'est nice, hein? Donc, on va savoir revoir ma cavalier, un truc comme ça. Je me rappelle plus trop son nom, mais bon. En tout cas. Les adeptes de Romulus. Cette bande de prétendus païens terrorise la ville depuis plusieurs mois. Tout cela pour ramener le peuple dans le giron de l'église. Très astucieux. En effet, les Borgias sont de connivence avec eux. Mais je ne puis le prouver. Voilà pourquoi cette lettre est si importante. La voici. Il ne te reste plus qu'à la déchiffrer. Katso, encore un de ces codes. Nous aurions dû pouvoir la lire. Ils se servent d'un code pour communiquer. Sans code, c'est illisible. La logique n'est pas toujours le seul moyen de gagner une guerre. Andiamo. Si nous avons des alliés dans cette ville, je dois les voir. Suis-moi. Oh, va falloir encore le suivre. D'accord. Donc, suivez Machiavelli, ok. Pourtant, ce mec-là, vraiment non foqué, là, mais bon. En tout cas, vraiment désolé si je le prononce mal, là. Mais bon, c'est Kidou. Dommage, il m'a pas super vite, là, mais bon. Pourquoi vous comportez-vous de la sorte? Calmez-vous. Ouais. Ok, le mec, il me parle bien. Mais bon, en tout cas... J'ai un truc flashé là, je crois que j'ai un. Ah ouais, ces trucs là, c'est que ça va là. Nous empruntons ces tunnels pour parcourir la ville en évitant les gardes. Mais sache que la plupart des entrées sont inutilisables. Grâce à ces tunnels, nous pouvons nous déplacer rapidement et sans rencontrer de résistance. Ah! Ouais, les tunnels comme ça, c'est pas la destination plus rapidement. Donc, voilà, il y a une mission dans la carte là, il y a une place pour aller. Moi, je vais prendre le tunnel pour y aller. Voilà. Ça m'emmène juste à la destination. Alors, let's do it, on va y aller. Et ça va être Tigidou. Fait que moi, oublie ça. Moi, je prends le tunnel que là. Je perds pas mon temps. Aller à haute destination, c'est Tigidou. Bon, je sais que je prendrai pas tout le temps le tunnel parce que là, faut qu'on achète des places, je crois, là, pour aller là, mais bon. Écoutez, ceci était gratuit, à tous les. Ben trovato, Nicolo. Ah, Serezio, c'est un plaisir. Fabio Orsini, à votre service. Mon cousin Bartolomeo Dalviano m'a très souvent parlé de vous. Un grand guerrier. Fabio nous permet d'utiliser un dépôt abandonné sur l'île Tibérine. Bien sûr, c'est moins confortable que votre villa de Toscane, mais... Ce sera parfait. Bene. Eh bien, je n'ai plus qu'à reprendre le chemin de la Romagne. Mes hommes obéissent encore à Cesare, mais bientôt, nous serons de nouveau libres. Et maintenant, Ezio, il va falloir que nous préparions notre attaque contre les Borgia. Oh, je trouve que tu vas un peu vite en besogne. Ah. Sais-tu, par exemple, où les Borgia ont emmené Caterina Sforza? Quoi? Ignorerais-tu également que les Borgia se sont emparés de la pomme d'Éden? Comment a-t-il pu nous échapper? Je vois, tu ignores ce que manigancent nos ennemis. Disposons-nous au moins d'un réseau de soutien? Pas vraiment. Nos mercenaires mènent une bataille désespérée contre les alliés français de Cesare. Nous avons infiltré une maison de passe fréquentée par des cardinaux et d'autres personnalités influentes de la ville. Mais la maîtresse des lieux est une idiote qui préfère prendre du bon temps plutôt que de soutenir notre cause. Et les voleurs de la cité,
N'ont-ils pas une guilde? Si, mais malheureusement, ils refusent de nous parler. J'en ignore la raison. Et où vas-tu comme ça? Me faire des amis. D'accord. On va aller se faire des amis. Ok, Ezio, ben, c'est vrai, Ezio a super besoin d'amis, donc... Allons-y. Donc, il y a un chargement, ça se regardait. Voilà, il y a un chargement, donc ça va pas être super long. Voilà. Ok, c'est Zigidou. On va aller se faire des amis, tôt. Let's go. Ok, là, on n'a pas vraiment débloqué beaucoup de gens, peut-être, là, mais... Il faut non débloquer du monde. Voyons donc, et là, on a plus eu Machiavelli, un truc comme ça, mais Mario est mort, lui, donc... Ouais, le meilleur ami des eaux est mort. Voyons donc. Ok. Vous connaissez? On est ici, donc... Je vois 3 missions dans la carte. On va aller faire... Ben, une mission, ça c'est important, mais laquelle ça... Si je rentre par là-bas... Ok, on va aller faire celle-là que je vois là-bas, ouais, let's do it. Allez, cassez-vous les papitos. Donc, on va grimper tout petit peu. On va aller faire la mission, je crois qu'on va aller faire la mission que les juste là... Non, la mission que les juste là-bas, ouais, let's do it, on va aller la faire. J'ai grimpé tout ça pour y aller, mais... On va la faire que c'est elle la plus proche que passant, parce que c'est elle que je vois 250 yards, etc. comme ça. Donc, allons faire celle-là qui est là-bas, voyez. Bon, let's do it, on n'a pas le choix de passer par l'eau. On y va. Oh, j'ai presque été mort, voyons donc. Voilà, on va nager un tout petit peu. Oh, le terrain des Borgia, là, là. Quand c'est rouge comme ça, il faut pas qu'ils me voient. On va tenter de pas qu'ils me voient, les Borgia. Oh, non, 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 non. Attention, zone non autorisée. Bon, je m'en fous, ce genre qui me voit, tassez-vous. Moi, je me casse. Oh, non, ok. On n'a pas assez de les tuer, là, voyons donc, là. Fait que là, la mission est complètement disparue. Donc, on va les tuer. Pas trop... Ah, oh, hey. Gangster, oui. C'est pas que ça va mourir. Ok, on en a tué un. Tiki, oh, lui, là, je peux vous dire, il est fort en maudit. Mais bon. Ah, oh, non, 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 j'ai tué l'autre. Mais je l'ai tué, c'est bon. Donc, on parle à la destination, on s'en va les trois. On va sortir du terrain des... Oh, wow. Ok, non, 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 là, là... Je n'ai même pas vu. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Ok, c'est bon. Voilà, je n'ai pas qu'à rappeler dans mon territoire parce que là, là, ouais. Je vais pas toujours qu'il y ait des balles déjà dans mon territoire si vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors, on va grimper tout en haut de ce bâtiment. Voilà. C'est Guidou. Bon, il veut tendre à la mission. On commence à se faire super mal, hein. Mais bon, pas trop, trop le choix. Donc, Juliette, on va tout lâcher, voilà. Et on est rendu à une des missions qui est juste ici. Voilà. Sois le bienvenu à la rose fleurie, étranger. Salve. Auriez-vous l'obligeance d'appeler la maîtresse des lieux? Madonna Solari s'est absentée. Et quand reviendra-t-elle? Je... Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Oh, Lucia! Nous pensions que tu étais morte! Ils nous ont emmenés sur un bateau! Ils m'ont relâchée, mais... Qui vous a emmené? Des marchands d'esclaves, messere! Près de l'île Tibérine! Ils exigent une rançon ou ils la tueront! Je vais vous la ramener. Oh! Oh, 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 il fallait sauver leur ami, là, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien. Ils ont kidnappé une personne, donc, amasser deux. Oh, attends, je n'ai mis 100, 250. Oh, non, j'ai complètement oublié, c'est quoi, ça. Bon, fais pas qu'on perdra pas le temps. Coupez la vidéo, vous allez essayer de réfléchir, et je vous reviens dès que c'est possible. Alright, les potos, enfin, 2 heures de recherche, nous avons enfin trouvé comment ramasser 2500 F, alors... Il fallait juste pogner de l'argent, ça a pris quoi? Alors tout de, je sais pas. Là, pour le vrai, j'ai monté, là, ça n'a pas pris 2 heures, mais ça a pris quoi? 15 minutes, essayer de trouver c'est quoi il fallait faire, mais bon. En tout cas, on parle de destination. Il fallait juste voler l'argent au monde, mais oublie ça, ça a pris du temps pour essayer de trouver ça. Ouais, mais bon, tout ce qu'on compte, c'est qu'on parle de destination.
Enfin les boys. J'espère que c'est pas trop loin parce que genre maintenant on va terminer cette mission là, mais oh boy, ça m'a pris du temps. J'oublie toujours que c'est offert à cet endroit là. Oh my goodness bro. Mais bon, ben c'est vrai, ça avait un éternité le temps que j'ai pas joué à Assassin's Creed là, mais j'ai quand même oublié. Mais bon, c'était que tout. Donc il faut juste aller sauver, c'est quoi, il faut aller faire déjà la mission là. Je sais, il faut aller sauver quelqu'un, mais ah oui, il faut aller sauver une personne, leur ami des deux personnes qui étaient à la mission. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Désolé les gars de vous de vous pousser là, mais bon, en tout cas, ah, on va faire un tout petit peu d'escalade là. Et ça va être si guidou de cette façon de telle. Voilà. Ok, on a sorti, voilà. C'est quand même loin là. Mais quand il faut y aller, il faut y aller, hein. Voilà. Un petit peu d'escalade, toi. On va monter là-dessus. Ici. Ok, je crois qu'on... J'espère qu'on est bientôt rendu. Ouais, on est quand même bientôt rendu, hein. Si je vois dans la... Si je vois 109, 107. Ok, ouais, on est quand même bientôt rendu. On va courir tôt. Parce que, ouais, c'est quand même loin, là, mais... Ouh. Ok. Je me rappelle cet endroit, je crois qu'on est bientôt rendu. Mais bon, c'est dans une zone... Je la sens pas, cette mission. En plus, le point, c'est dans la zone des Borgia, là. Oh, attends. Ce mec, là, m'a vu, ce n'est pas bon, ça. Hop. Ok, c'est bon. Je vois la destination là. Oh, il m'a raté. C'est bon, let's go, on peut y aller. Il n'existe aucune loi. C'est juste ici. Voilà. Quoi les poupées? Ah là 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 là. Il faut que personne ne nous voit, je crois bien, hein. Oh, tout le monde me voit là. Oh là là. Oh, je la sens pas cette mission. Vous savez pas que Paul avait comment tant de bois des Borgia en vidéo. Oh là 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 là, il faut battre des Borgia en longueur de journée, c'est fou. Voilà, bon, j'espère que je peux y accéder. À part ce petit gobelin qui a peur là, mais ça y apprendra. Bon, j'espère que je peux y aller. Voilà. T'es venu pour cette traînée? Are you talking me? J'ai ton argent. Libère-la. Non. Adresse-toi à Cesare. Oh, ils l'ont tué. Oh my goodness, ça. Oh non, par exemple, eux autres, là. Oh, je les sens pas. Oh là là, ça, là. Ça va être... C'est pas possible de les tuer. Attends. C'est pas possible de les tuer. What? Attends, vous êtes en train de me dire que... Oh, là, là, c'est eux autres qui vont me dire what? Attends, on va tenter de tuer eux autres. Les Borgia. Après ça, bah, là, j'ai pas d'épée. What? Voilà, c'est mon épée. Ok, oui, c'est bon. Non. Ah. J'ai même pas lâché un colis, voyons donc. Tap. Oh, oui, c'est bon. Ça. C'est bon. Un de dead. Ah non, c'est pas lui, je dois tuer. Un autre de dead. Ah non, c'est pas lui, je dois tuer. Ah oui, c'est bon. Je l'ai tué une couple. Oh. Ok, non, en fait, c'est pas si dur que ça, on les a tous éliminés. Wouh! Ah, c'est stressant, cette mission. Oh là 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 là, c'est super difficile, cette mission. Mais je crois que je vais avoir le temps d'en tamir une autre, je crois bien. Ouais, je crois qu'on va tamir une autre, puis après ça, on va s'arrêter là, parce que... Oh, c'est super dur, mais bon. J'ai mon temps. Pas grave si ça va être super long. On va tenter de finir cette mission que... Il faut que je progresse parce que là, là, ça m'a pris du temps. Juste pour t'amener une petite mission courte, ça m'a pris du temps. Oh, mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien d'autre à dire de ça, hein. Mais bon, en tout cas, oh, là, par exemple, là, il sait pas que la fille, ils ont tué la fille parce que, oh, je crois pas qu'il le sache, hein. Ouais, je crois pas qu'il sache, là, mais bon. Je crois qu'on va leur dire qu'elle est morte. Ils vont être déçus. Mais bon. En tout cas, ah, oh, c'est super loin encore. Oh, les places à cette mission, c'est méga loin. Pas possible, voyons donc. Bon, encore 2. Ok, c'est good qui good. Non, en fait, on a un sang. Voilà, c'est bon. On est quand même à destination. Moi, je pense pas par loin. Que là, l'eau, ça va super là. Ce n'est pas bien ça. Moi je préfère.
Laisse d'où les deux de là. Voilà. Okidou. Donc. Je sais même pas où il faut aller. Colise de bine de sac à papier et tout ça, voyons donc. Mais bon. Ouais. Ok, je vois pourquoi cette maison est super difficile maintenant. J'arrive même pas à aller à aucune place. Oh my goodness. Attends quoi? Quoi tu dis que j'essaie de l'embarquer de ça? What? Attends, mais comment ça s'est formé? Voyons donc. Je comprends absolument rien de cette maison. Oh. Si je trouve pas, coupez les dos. Et mon bonheur faisait what? Ok. Je vous jure. Oh. Ok. Je vous reviens dès que j'ai passé cet endroit. Vous avez enfin trouvé comment réussir à passer par un pont. Bon, j'ai réussi à passer par un pont là. J'espère que c'est idéal. Oh non, il y a encore des bols, déjà. Ok, c'est good, ils m'ont pas vu. Ils m'ont seulement vu là, mais j'étais pas dans le rond rouge. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'arrange. Donc, on va encore grimper. Super haut là, mais je vous jure que cette mission là, oh my goodness, hein. Je pars pas revoir l'affaire, donc j'espère que ça va se regarder, que moi c'est une émission de plus dure que j'ai fait de toute ma vie, Willy. Ah c'est quoi? On lâche tout. J'ai dit qu'on lâche tout, wesh. Voilà. Ok, bon, on est quand même temps de destination. Voilà. Allez, tassez-vous, hein. Ok, c'est bon. Faut qu'on y aille sur le toit, je crois. Douliette. Fait que je pense qu'ils sont sous le toit. Zdoulette. Ils sont juste là. Mère? Claudia? Ezio. Ser Machiavelli a dit que nous te trouverions ici. Pourquoi êtes-vous à Rome? Est-ce que Florence est assiégée? Non. En fait, je n'en sais rien. Nous ne sommes pas allés à Florence. Pourquoi? Ezio, nous voulons t'aider. Vous m'auriez rendu service en allant à Florence. Où est Madonna Solari? Elle est morte. Merde. Mais que faire? Est-ce que nous allons fermer? Certainement pas. J'ai besoin de vous. Mais Messere, si personne ne gère nos affaires, c'est inévitable. Je vais le faire. Ta place n'est pas ici, Claudia. Je sais comment gérer une affaire. J'ai aidé Mario pendant des années. Ça n'a rien à voir. Quelle alternative se présente à toi, Ezio? Si tu fais ça, Claudia, tu te débrouilleras seule. Cela fait plus de 20 ans que je me débrouille seule. Soit. Je compte rénover l'établissement. Son état est déplorable. Et je veux que tes courtisanes trouvent Caterina Sforza. Nous ferons le nécessaire. Ok, donc palais dans... Ok, faut qu'il y ait un point bleu dans la carte. Allons-y tôt. Faut qu'on aille parler à ce petit bonhomme. Qui est juste ici. Voilà. Moi, je suis totalement satisfait. Adieu. Hein? Bienvenue à la Rose Fleurie. Comme tu peux le voir, c'est devenu l'endroit le plus populaire de Rome. Mon investissement a été rentable. Voici la liste de ce que nous enseignons à nos pensionnaires. Tu ne leur apprends pas grand-chose. Tu penses pouvoir mieux faire? Nessun problema. Ezio, chaque jour, les Borgia persécutent les filles de Claudia. J'ai plusieurs missions à te confier qui pourraient sûrement les aider. Je tâcherai de m'en souvenir. Autre chose? Non. Ezio. As-tu trouvé Caterina? Nous la cherchons toujours. Bene. Retrouve-moi sur l'île Tibérine dès que tu l'auras localisée. D'accord, il me restait plus que deux missions à faire là, ça se regardait, mais je crois que je vais m'arrêter là parce que oh j'ai plus de force pour continuer. Mais bon, je vais continuer ça la prochaine fois, on va aller voir les deux autres personnes avec pour que les autres se fassent des amis, bien évidemment. Donc on va aller faire les deux autres qu'on est traqué, ben ouais. En tout cas, mais je crois qu'on va s'arrêter ici. Alors on se retrouve pour passer la vidéo sur Assassin's Creed. Alors, bye bye.